La deuxième histoire est plutôt originale, c'est celle de Marie, et malheureusement, au moment où elle nous la raconte, elle sort tout juste de son divorce. Enfin, quand on dit qu'elle sort de son divorce, pas vraiment, parce qu'elle est en pleine poursuite judiciaire, il y a plein de soucis, notamment avec la garde des enfants, bref, c'est vraiment un bordel monstre. Et à travers tout ce brouhaha judiciaire, à travers tout ce flou et toutes ces incertitudes, Marie et du coup son ex-mari avaient énormément de collègues et d'amis en commun, et chacun va commencer à choisir un petit peu un camp. Et parmi toutes ces personnes, il y a un collègue en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Paul, que Marie ne connaît pas vraiment, mais pour une raison ou pour une autre, il va plutôt se ranger de son côté. Et d'ailleurs, c'est vraiment une aubaine pour Marie, parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont commencer à faire connaissance, elle va se rendre compte qu'il y a plein de preuves contre son ex-mari, et du coup, ça va plutôt l'aider dans les affaires judiciaires, à avoir plutôt la garde des enfants, à gagner plusieurs procès, etc. Bon, va s'en suivre une relation un petit peu bizarre où Marie ne le connaît toujours pas vraiment et lui il l'appelle assez souvent quand même pour s'assurer que tout allait bien, bref c'est un peu bizarre. Mais bon, jusque là, Paul est vraiment super bien attentionné et surtout qu'il est un peu plus âgé que Marie, il va lui dire que malheureusement il était lui aussi passé par des divorces, qu'il avait de l'expérience dans ce domaine là et que du coup tout allait bien aller, qu'il allait l'aider au maximum. Bon, malgré toute sa gentillesse, Marie est un peu sur sa réserve, elle a un petit peu de mal à faire confiance aux gens, et du coup elle va quand même essayer de mettre les choses au clair avec Paul, en lui disant que tout ce qu'elle voulait c'était simplement une relation amicale pour que tout soit clair entre eux. Bien entendu, tout est ok pour Paul, ça va absolument pas le déranger, et d'ailleurs il ne voulait rien d'autre, il va continuer à être là pour Marie dans tous les moments difficiles à chaque fois qu'elle avait besoin d'aide, notamment une fois où elle aura besoin que quelqu'un garde son fils, Paul va se proposer directement, il va également faire des petites courses pour elle lorsqu'elle pouvait pas, bref il est super amical. Au fur et à mesure des mois qui passent, Paul est toujours là, il est super aimable et super présent, et d'ailleurs il va même commencer à agir un peu bizarrement, notamment à se pointer un petit peu chez Marie sans prévenir à l'avance. Paul va également sans raison apparente faire beaucoup de cadeaux au fils de Marie, bref tout ça c'est un petit peu gelou, il va également l'appeler en pleine nuit, ce qui va vraiment saouler Marie, mais bon à ce moment là elle voulait vraiment pas se prendre la tête, surtout que le procès était vraiment très bientôt et du coup elle voulait pas se le mettre à dos. Mais bon, malgré tous ces aspects bizarres et tous ces aspects vraiment très intrusifs, Paul reste toujours très amical et toujours aimable, on peut toujours compter sur lui, il va également aider Marie à installer tout un système d'alarme sur sa maison. Et c'est le lendemain que les choses vont commencer à devenir vraiment cringe, lorsque Paul va venir filer un coup de main à Marie pour repeindre l'appartement, et là, au fur et à mesure des discussions, il va commencer à faire des remarques un peu bizarres, voire même très bizarres, en s'incluant un petit peu dans les décisions, en disant « on devrait faire ça » comme si ça le concernait directement. Bon, malgré toute sa gentillesse, avec toute l'accumulation des événements et des choses un petit peu bizarres qui concernaient Paul, Marie va clairement trouver ça trop bizarre, ça va être un petit peu la foi de trop, et cette fois-ci, elle va inventer une excuse pour qu'ils doivent partir, parce que vraiment, c'était beaucoup trop, et à partir de ce moment, elle décide simplement de l'ignorer. On est d'accord avec vous, la transition est peut-être un petit peu brutale, mais Marie était vraiment sur ses gardes, elle avait du mal à lui faire confiance, et au fur et à mesure du temps qui passait, elle commençait vraiment à ressasser les événements, à se demander ce que Paul voulait vraiment, et elle va donc prendre la décision d'emmener son fils et elle-même chez ses parents pour pouvoir y passer un petit peu de temps pendant les prochaines semaines, histoire de ne pas trop le recroiser. Et après un petit laps de temps où Marie a pu se ressourcer auprès de ses parents et auprès de sa famille, elle va décider de retourner dans son appartement et voir que les choses se sont plutôt calmées. Le jour du retour, Marie est plutôt sereine mais complètement crevée, elle se décide donc à faire une sieste avec son fils. Sauf que une heure plus tard, elle se réveille soudainement, elle a vraiment une sensation bizarre dans le ventre. Elle n'arrive plus vraiment à se rendormir, mais au-delà de ça, elle a vraiment une mauvaise impression, elle a l'impression de ne pas être seule, et en regardant autour d'elle, elle va remarquer quelque chose sur la table de chevet. En y regardant de plus près, elle n'y croit pas vraiment, et en se frottant les yeux, elle va voir que c'est des fleurs en fait, notamment des roses, et qu'il y a également un petit post-it qui est accompagné. Et sur ce fameux post-it, il y avait en fait des recommandations, comment il fallait prendre soin du rosier, là où il fallait le mettre, et en fait ça sonnait vraiment comme des instructions obligatoires à suivre, comme s'il s'agissait du rosier de quelqu'un dont il fallait faire vraiment attention. Marie se met à trembler, elle regarde tout autour d'elle, elle commence à devenir complètement parano, elle a super peur, surtout qu'elle a reconnu l'écriture, et vous aussi, il s'agit bien entendu de celle de Paul. Son cerveau se met à tourner à 1000 à l'heure, elle n'a absolument pas envie d'appeler la police, étant déjà en plein procès, donc elle sait pas quoi faire, elle se lève simplement pour aller à la salle de bain et s'asperger le visage d'eau. Et en arrivant dans la salle de bain, c'est une véritable scène de film, elle voit que partout sur le miroir et sur les murs, il y a énormément de post-it qui sont collés. Sur chacun des post-it, il y a des mots et des lettres d'amour qui semblent vraiment obsessionnels, Marie se sent vraiment acculée, se sent vraiment entourée et elle a vraiment très peur. Son esprit essaie vraiment de trouver une réponse rationnelle, Marie commence à se demander par où Paul avait pu rentrer et elle se demande s'il est passé par la porte de derrière, elle va donc traverser une pièce pour pouvoir rejoindre cette fameuse porte et dans cette pièce il y avait également énormément de post-it.
Bon là, RIP nous, ça va être un petit peu dur à illustrer, mais quand on dit qu'il y a beaucoup de post-it, il y en a vraiment partout, plus d'une centaine, dans des endroits vraiment insolites, voire même un dans la cafetière. Ne sachant quoi faire, elle commence à rassembler les post-it, histoire de les jeter pour ne plus les voir parce que ça l'effraie beaucoup trop. Elle se dirige même de la cuisine pour voir s'il y en avait d'autres, et effectivement, elle va tomber sur un qui va vraiment lui glacer le sang. Parce que sur ce bout de papier, il est écrit « C'est vraiment mignon lorsque tu crois que je te vois pas ». Complètement paniquée, Marie regarde autour d'elle et en levant le regard vers le plafond, elle va avoir une révélation vraiment sordide. En l'aidant des mois plus tôt à installer tous les systèmes de sécurité et notamment les alarmes et les caméras de surveillance, Marie se rend compte qu'en fait Paul avait certainement gardé les mots de passe et que pendant tout ce temps il avait pu l'épier, sachant qu'il y avait des caméras de surveillance vraiment partout, notamment dans sa chambre. Marie se sent vraiment acculée, elle ne veut vraiment pas avoir affaire à la police encore une fois, du coup sous le coup de la panique, elle va appeler son père et ensemble ils vont trouver une solution, ils vont commencer à installer ensemble lorsqu'il va venir des chaînes à toutes les portes, ils vont commencer à sécuriser un petit peu tous les endroits, également à changer le mot de passe des caméras de surveillance. Mais il subsiste encore une question, comment Paul était rentré la première fois, est-ce que c'était d'ailleurs la première fois, et Marie va donc conclure qu'il avait certainement fait un double des clés parce qu'il n'y avait aucune trace d'effraction. À partir de ce moment-là, Marie devient complètement parano, d'autant plus que Paul va revenir plusieurs fois, il va toquer à la porte avec acharnement en lui demandant de les laisser entrer, mais Marie n'a absolument aucun moyen de déménager, elle ne sait plus où aller et du coup va s'en suivre une période vraiment terrible pour elle. Et un fameux soir, alors qu'il est 22h et que Marie se trouve toute seule chez elle, Paul va à nouveau venir, il va tambouriner à la porte une fois de plus et il va commencer à scander des choses vraiment incompréhensibles, notamment de dire que la maison lui appartenait et qu'elle devait le laisser rentrer à tout prix. Dans son délire obsessionnel, il ne va pas s'arrêter là, il va notamment créer énormément de faux comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir joindre Marie et tout ce genre de choses. Marie se demande vraiment lorsque ça va s'arrêter et au fil de semaines, heureusement, Paul commence visiblement à se lasser parce qu'elle ne va plus avoir de nouvelles. Et malgré le fait qu'il soit apparemment parti, Marie va se sentir toujours mal à l'aise chez elle, elle va se demander lorsqu'il va revenir, ça va vraiment lui pourrir la vie et du coup au fil des mois, dès qu'elle aura une occasion et dès qu'elle aura les moyens, elle va finir par déménager. Et au moment où on vous raconte cette histoire, ça fait déjà 2 ans qu'elle a déménagé, elle est devenue complètement parano à cause de cette histoire, elle ne poste plus aucune photo sur les réseaux sociaux, elle fait vraiment attention à son entourage, elle laisse vraiment personne de chelou rentrer dans sa vie privée. Bref, malgré tout ça, énormément de questions restent en suspens, notamment comment il était finalement rentré dans l'appartement, pendant combien de temps il l'avait épié, combien de temps il était resté chez elle à son insu. Vous l'aurez compris, énormément d'interrogations qui, malgré son déménagement, la font vivre dans sa peur. Et encore aujourd'hui, elle n'a qu'une seule crainte, c'est que ce fameux Paul vraiment bizarre la retrouve. Ça y est, on y est, on est enfin à la 4e et dernière histoire de cette vidéo et on vous prévient, c'est de loin la plus horrible de toutes celles qu'on vous a racontées et d'ailleurs c'est même d'un tout autre registre. Et cette histoire, c'est celle de Leonarda Cianciulli. Il s'agit d'une femme qui est née à Mantella en Italie. L'histoire dans sa globalité se passe à peu près au début du 20e siècle et pour donner un petit peu de contexte, le début de la vie de Leonarda est très compliqué. On n'a pas énormément de détails sur les circonstances de sa situation, mais lorsqu'elle était très jeune, elle aurait déjà essayé de se suicider 2 fois. Et c'est en 1917 que Leonarda épouse un employé de bureau qui s'appelle Raphaël. Malheureusement, ses parents n'approuvent pas du tout le mariage car ils avaient prévu de la marier avec un autre homme et donc elle va passer énormément de temps à se faire insulter par sa famille. Bref, tout ça pour vous dire que c'est compliqué. En 1921, Leonarda et son mari décident de déménager dans la ville natale de Raphaël. Et malheureusement, les choses ne s'améliorent pas pour elle car c'est en 1927 que Leonarda sera condamnée à de multiples reprises pour fraude. Une fois libérée, le couple décide de repartir sur de bonnes bases et de déménager. Malheureusement, ça ne va encore une fois pas marcher du tout car leur maison sera détruite par un tremblement de terre en 1930. Ils décident donc de déménager une dernière fois dans une petite ville nommée Correggio et c'est dans cette ville que Leonarda ouvre une petite boutique. Et pour le coup, les choses commencent enfin à s'améliorer dans sa vie. Elle est très populaire et elle est même très respectée dans son quartier. Malheureusement, au niveau des enfants, il y a énormément de problèmes. Pendant son mariage, Leonarda va avoir 17 grossesses. Malheureusement, elle va avoir 3 fausses couches et 10 d'entre eux vont mourir très jeunes. Par conséquent, Leonarda va développer un sentiment de protection maternelle très puissant envers les 4 enfants qui ont survécu. En plus de ça, il faut savoir que Leonarda est très superstitieuse, surtout qu'elle avait été voir un jour une diseuse de bonne aventure et que celle-ci lui avait déjà prédit qu'elle se marierait, qu'elle aurait des enfants et que beaucoup d'entre eux mourraient très jeunes.
D'ailleurs, dans le même registre, une autre personne du même genre lui aurait prédit qu'elle irait en prison et qu'elle irait dans des asiles criminels. Bref, rien de radieux pour son avenir. Et c'est donc dans toutes ces circonstances qu'en 1939, Leonarda va apprendre la pire nouvelle. Son fils aîné et enfant préféré Giuseppe lui annonce qu'il s'engage dans l'armée italienne pour préparer la Seconde Guerre mondiale. On vous le rappelle, Leonarda est très très superstitieuse et elle croit en des choses très occultes. Et en plus de ça, elle est complètement déterminée à protéger son fils Giuseppe et donc elle va arriver à l'une des conclusions les plus sordides possibles. Pour garantir la sécurité de son fils Giuseppe, elle devait réaliser des sacrifices humains. Leonarda commence donc à chercher ses victimes et elle va les trouver chez trois femmes qui sont en fait ses voisines. La première des victimes s'appelle Faustina et elle était venue vers Leonarda parce qu'elle voulait des conseils pour trouver un mari. Leonarda va donc commencer à lui donner des conseils chelous et donc Leonarda va lui dire qu'elle connaît un homme qui habite dans une autre ville mais qu'il fallait absolument garder cette chose secrète. Elle va donc convaincre Faustina d'envoyer des lettres à sa famille et à ses amis en disant qu'elle était là-bas et que tout allait très bien. Préparant son départ, Faustina vient voir une dernière fois Leonarda pour avoir des conseils et c'est ce jour-là que celle-ci va lui donner un verre de vin drogué. Et là, on vous prévient, les détails qui arrivent sont complètement horribles. Leonarda attrape une hache et assassine Faustina, puis elle va la découper en morceaux tout en récoltant son sang. Et pour décrire son processus, elle dira plus tard dans sa déclaration officielle: j'ai jeté les morceaux dans un pot, ajouté 7 kg de soude caustique que j'avais acheté pour faire du savon et j'ai remué le mélange jusqu'à ce que les morceaux se dissolvent dans une bouillie épaisse et sombre que j'ai versée dans plusieurs seaux et vidée dans une fosse septique à proximité. Quant au sang dans le bassin, j'ai attendu qu'il coagule, je l'ai séché au four, moulu et mélangé avec de la farine, du sucre, du chocolat, du lait et des œufs, ainsi qu'un peu de margarine en pétrissant tous les ingrédients ensemble. J'ai fait beaucoup de gâteaux au thé croquant et je les ai servis aux dames qui sont venues nous rendre visite, bien que Giuseppe et moi les ayons également mangés. Mais malheureusement, et comme vous l'avez compris, elle ne s'est pas arrêtée là. Parce que sa deuxième victime sera Francesca. Alors qu'elle n'avait pas de travail, Leonarda va lui affirmer qu'elle lui avait trouvé un emploi dans une autre ville. Et exactement comme pour la première victime, Leonarda va la convaincre d'envoyer des lettres à sa famille, leur décrivant ses plans de vie, leur disant que tout allait bien, et juste avant son départ, elle va aller voir Leonarda une dernière fois, et cette dernière va encore une fois lui donner du vin empoisonné, puis l'assassiner avec une hache. Le meurtre a eu lieu le 5 septembre 1940, et le corps de la pauvre Francesca va subir exactement le même traitement que pour sa première victime. Mais malheureusement, ce n'est pas encore la fin, car pour terminer son rituel, il fallait qu'elle en fasse une dernière victime. Cette dernière s'appelle Virginia, une ancienne chanteuse qui n'avait plus de travail, et encore une fois, Leonarda va la convaincre qu'elle avait trouvé un travail pour elle à Florence. Et comme pour les deux premières victimes, Leonarda va lui demander de faire exactement les mêmes choses concernant les lettres pour assurer à sa famille que tout allait bien et que rien de grave n'allait arriver. Virginia accepte malheureusement et c'est le 30 septembre 1940 qu'elle va rendre une dernière visite à Leonarda. Encore une fois, le schéma se répète, Virginia est empoisonnée puis assassinée à coups de hache. Et Leonarda déclarera sans aucun remords à son propos: elle s'est retrouvée dans la marmite comme les deux autres. Sa chair était grasse et blanche. Quand elle avait fondu, j'ai ajouté une bouteille de cologne et après une longue période à ébullition, j'ai pu faire du savon crémeux le plus acceptable. J'ai donné des barres de savon à des voisins et à des connaissances, et les gâteaux aussi étaient meilleurs. Cette femme était vraiment adorable. Et en plus de tout ça, comme pour ses deux premières victimes, Leonarda va s'approprier leur assurance vie pour ses soi-disant bons services avant leur mort. Sauf que cette dernière victime va heureusement être la goutte de trop. La sœur de Virginia va se méfier de sa disparition, et donc elle va déclarer aux autorités que la dernière fois qu'elle l'avait vue, c'était lorsqu'elle avait été chez Leonarda. La police va donc ouvrir une enquête et très rapidement arrêter Leonarda. Au début, Leonarda va nier tous les faits. Elle va dire que ce n'est pas elle qui avait commis ces meurtres. Sauf qu'elle va complètement changer de fusil d'épaule lorsque son fils va être accusé d'avoir été complice de ces meurtres. À ce moment-là, et pour protéger son fils au maximum, elle va avouer tous ses crimes et elle va les décrire comme vous les avez pu les entendre en voix off. Finalement, Leonarda est condamnée pour meurtre en 1946. Et pendant tout son procès, elle va rester impassible et va même corriger le procureur lorsqu'il va parler de ses faits. Finalement, elle sera reconnue coupable de ses crimes et sera condamnée à 30 ans de prison plus 3 ans en asile criminel. Leonarda décède finalement en 1970 dans un asile pour femmes d'un arrêt cérébral. Et si vous vous posez la question, de nombreux objets liés à l'affaire ont été conservés par la police.
notamment le pot dans lequel les victimes ont été bouillies, qui est aujourd'hui exposé dans le musée criminologique de Rome. Lors de son procès la semaine dernière, Leonarda a saisi le rail du témoin avec des mains étrangement délicates et a calmement corrigé le procureur sur certains détails. Ses yeux sombres et profonds brillaient d'une fierté intérieure sauvage lorsqu'elle concluait « J'ai donné la louche en cuivre à mon pays, celle que j'utilisais pour effacer la graisse des bouilloires, car il avait terriblement besoin de métal ces derniers jours de guerre. » La troisième et dernière histoire qu'on va vous raconter ce soir, on vous prévient, elle est vraiment peu conventionnelle et voire même un peu violente. Et c'est Aurélie qui a aujourd'hui 24 ans qui nous raconte ces faits vraiment troublants qui se sont passés 10 ans plus tôt. À cette époque, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle était en train de partir en vacances avec sa mère, son grand frère qui avait à l'époque 19 ans et ses deux petites sœurs de la maison de campagne de leur grand-mère. Malheureusement, c'était une période un petit peu triste de leur vie, car ils avaient l'habitude d'y aller très fréquemment, mais depuis 2 ans, leur grand-mère était décédée, et donc ça faisait la 2e année consécutive qu'ils y allaient sans elle. Mais bon, bien décidés à tourner la page, ils y vont en famille, dans ce cadre qui est vraiment idyllique. Bref, Aurélie va tuer tant bien que mal les 2 heures de trajet qui la séparent de la maison de campagne, et lorsqu'ils y arrivent enfin, Aurélie, son frère et ses 2 petites sœurs vont directement décider d'aller dans les bois. Et au même moment, alors que leur mère avait décidé de laisser les enfants jouer dans les bois, elle va commencer à ouvrir la porte pour entrer dans la maison et le premier truc un peu bizarre, elle va se rendre compte que la porte n'était pas verrouillée. Mais bon, la lumière automatique du porche est quant à elle bien éteinte et du coup, elle va simplement se dire que c'était certainement un oubli. Pendant ce temps-là, Aurélie, son frère et ses sœurs retournent dans les bois, ils commencent à se remémorer plein de souvenirs et vous le savez très bien, aller dans les bois dans les Shroud of Horror, c'est jamais une très bonne idée. Et ben apparemment dans toutes les histoires sauf celle-là, parce que 3 heures vont passer, ils vont profiter à fond, ils vont jouer, se rappeler de plein de choses et vers 21h, ils décident de rentrer à la maison. Bref, tout se passe très bien sur le chemin du retour et lorsqu'ils commencent à apercevoir la silhouette de la maison, c'est là que les choses bizarres vont encore une fois commencer. Déjà, alors qu'ils sont à quelques dizaines de mètres de la maison, ils remarquent quelque chose de très peu conventionnel car toutes les lumières de la maison sont éteintes alors que leur mère était censée être dedans. Directement, le grand frère d'Aurélie trouve ça vraiment suspect et bizarre, ça ne ressemblait pas du tout aux habitudes de sa mère et du coup il va commencer à prendre la tête de marche et à se diriger vers la maison car en plus de ça, il est un peu baraque. Les 2 petites sœurs d'Aurélie sont quant à elles vraiment insouciantes, elles se disent que c'est très certainement leur mère qui veut jouer à cache-cache et du coup elles sont un peu excitées. Et Aurélie, comme son grand frère, ne le sent pas du tout. Et son mauvais feeling se confirme lorsqu'ils arrivent enfin sur le palier de la maison. Le grand frère d'Aurélie intime le silence à ses sœurs, il ouvre doucement la porte et là, c'est le silence radio dans toute la maison. Autant vous dire que l'air sombre est palpable, il y a une ambiance vraiment très malsaine, Aurélie ne sait pas d'où ça vient, mais elle le sent, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe dans cette maison. Et 5 longues minutes plus tard, alors que tout le monde se demande ce qui se passe et où est leur mère, le silence va être interrompu par un énorme fracas de verre situé à l'étage. Aurélie et ses frères et sœurs hurlent de terreur, ils ne savent pas du tout ce qui se passe, ils commencent à se regrouper dans cette maison qui ne semble plus du tout accueillante. Surtout qu'on vous la rappelle, il est 21h et la maison est complètement plongée dans le noir. Mais malgré la panique qui l'envahit et malgré l'obscurité, Aurélie commence à distinguer une espèce de forme qui se situe sous la table et qui semble être allongée. Et là, la voix à demi brisée, elle va commencer à pointer le doigt vers cette forme en demandant à son grand frère s'il ne s'agissait pas de sa mère. Son grand frère se précipite donc directement vers la forme et malheureusement, il se rend compte que oui, leur mère est bien inconsciente, allongée sur le sol et il voit directement qu'elle a du sang qui coule de son front. À ce moment-là, son instinct prend le dessus, directement il la porte jusqu'au porche de la maison, il commence à lui mettre des petites baffes pour qu'elle se réveille et heureusement ça va marcher, sa mère reprend peu à peu conscience. Et alors que tout le monde est sans voix et en panique totale, ils se rendent compte que la lumière de l'étage s'allume et là ils ne perdent pas de temps, tout le monde se dirige vers la voiture. Sans même attendre d'explication de la part de leur mère, Aurélie et son frère comprennent qu'il s'agit de quelque chose de très grave qu'il vient de se passer et que du coup il faut fuir le plus vite possible avant que les choses ne dégénèrent plus. Ils vont donc porter leur mère jusqu'à la voiture, son frère va prendre le volant, Aurélie va se mettre sur le siège passager et derrière il y aura la mère avec ses petites sœurs et sans attendre une seconde de plus, le frère va démarrer en trombe. Et ne pouvant résister à la tentation de savoir qui il y avait dans la maison, Aurélie va se retourner et à travers la vitre brumeuse, elle va voir qu'il y avait une personne qu'elle ne connaissait pas du tout, qui était sur le palier de la porte de sa maison, un couteau à la main. À ce moment-là, tout devient flou pour Aurélie, tout va s'enchaîner très vite, ils vont aller à l'hôpital pour soigner leur mère et ensuite ils vont directement appeler la police pour leur signaler qu'il y avait quelqu'un dans leur maison. Et heureusement, malgré le temps qu'ils ont pris à appeler la police, elle va arriver à temps et va réussir à arrêter l'individu qui était chez eux. Et là, si vous pensez qu'il s'agissait d'un simple cambriolage, vous n'êtes pas du tout au bout de vos peines et on vous prévient, Aurélie non plus.
parce que elle et sa famille vont tout simplement apprendre que la personne qui s'était réfugiée chez eux l'était en fait déjà depuis quelques temps et il était recherché pour avoir tué deux hommes. Tous les éléments vont commencer à se connecter, ils vont faire le lien avec la porte d'entrée qui était déjà ouverte, avec le fait qu'il y avait une ambiance vraiment pesante et le fait qu'en fait la personne était déjà là depuis le début. Et croyant que la maison était très certainement abandonnée car personne n'y vivait la plupart du temps, il avait décidé de s'y réfugier pour échapper à la police. Malheureusement, dès leur arrivée, alors que les enfants étaient heureusement partis jouer dans les bois, il était tombé nez à nez avec la mère d'Aurélie qui en avait payé le prix fort. Par grande chance et heureusement, la mère d'Aurélie va s'en remettre et toute la famille va rester sous le choc pendant un très long moment. Mais malgré le fait qu'aujourd'hui l'individu soit sous les barreaux, Aurélie n'oubliera jamais le regard de terreur de sa mère lorsqu'elle s'est réveillée. La cinquième et avant-dernière histoire est très impactante, on vous le prévient, et c'est celle de Raphaël qui nous dit qu'il nous suit depuis quelques mois et qui nous dit aussi qu'il aimerait nous partager son histoire qui s'est également passée il y a quelques mois. Raphaël a 25 ans, il vit dans le sud de la France et il nous dit qu'il habite avec sa compagne avec qui il est depuis 5 ans. Et au total, son histoire va durer pendant plusieurs semaines. Pour contextualiser un petit peu et pour visualiser son appartement, en fait, il est en forme de U, ce qui veut dire que lorsqu'il est dans sa chambre, il arrive à voir de sa fenêtre la terrasse. Et l'histoire débute en juin 2022. On est un soir, comme d'habitude, Raphaël se pose avec sa copine dans le lit pour se faire une petite soirée Netflix and chill, lorsqu'au bout d'un moment, il entend un bruit sur le toit. Et ce ne sont pas n'importe quel bruit, parce que là, il en est complètement sûr, ce sont des bruits de pas. Mais bon, en vrai, il n'y a pas de panique, il décide de rationaliser quand même un petit peu, il se dit que ce sont certainement des pigeons, et donc ils vont finir leur série et s'endormir tranquillement. Le lendemain matin, il a complètement oublié cette histoire, il décide de prendre son café et de se fumer une petite cigarette sur la terrasse. Et là, lorsqu'il va écraser sa cigarette dans le cendrier, il va remarquer qu'il y a des résidus d'autres cigarettes qui ne sont pas du tout de sa marque habituelle, ce qui est très étrange. Mais bon, il va aussi essayer de rationaliser en se disant que c'était peut-être dû au fait que la veille, ils avaient fait une soirée et ça devait donc appartenir à un de ses potes. Bref, après ça, des jours vont passer et c'est finalement une semaine plus tard que la soirée va réitérer. Il va de nouveau se mettre dans son lit avec sa compagne, sauf que là, il sent une odeur de cigarette très forte. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, ce n'était pas lui. Bon, ça le dérange, mais il se dit que étant donné qu'on est en juin et que donc il dorme avec les fenêtres ouvertes et les volets fermés, il sent certainement son voisin d'en dessous qui est en train de fumer en fait. Mais bon, c'est quand même assez étrange parce qu'il connaît ses voisins et il sait qu'ils sont militaires et donc qu'à ce moment-là, il n'était pas là. Mais bon, bref, il va pas chercher plus que ça, il va pas y réfléchir plus que ça et finalement, il va encore une fois s'endormir. Et c'est encore finalement une semaine après que l'histoire va prendre une toute autre tournure. Il est 3h du mat, Raphaël est en pleine insomnie, il n'arrive pas à dormir et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va se réveiller, il va ouvrir les volets et fumer une cigarette. Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, on vous le dit. Il finit sa cigarette et finalement lorsqu'il veut l'écraser et qu'il veut retourner se coucher, il remarque qu'il y a un mégot de cigarette sur la terrasse et que encore une fois ce n'est pas la même marque, sauf que cette fois il en est sûr, ce n'est pas ses potes parce qu'il avait nettoyé le cendrier juste avant. Et le détail qui est certainement le plus troublant, c'est que cette cigarette est encore allumée. Cette fois, Raphaël est lucide, il commence à relier tous les événements et il se dit que c'est forcément sûr, il y a quelqu'un qui fume sur sa terrasse, étant donné en plus qu'il n'a pas de voisin du dessus. Encore une fois, c'est une semaine plus tard, effectivement c'est assez périodique, que les événements vont recommencer. On est vendredi soir, il est à peu près 4h du mat, Raphaël revient d'une soirée et il se pose dans son lit. Et c'est là que le scénario se répète. Encore une fois, il entend du bruit sur le toit et en plus de ça, il sent une cigarette. Rassemblant son courage, il décide cette fois de se lever, de se diriger vers sa chambre d'amis où se trouve la porte de sa terrasse. Et heureusement ou malheureusement, il avait laissé les volets de la porte vitrée ouverts. Et c'est là, plongé dans le noir et en marchant sur la pointe des pieds, qu'il va se rapprocher de sa chambre d'amis, qu'il va tomber sur une vision d'horreur. Complètement plongé dans le noir, il remarque qu'il y a un homme qui a le flash allumé, qui est en train de regarder à travers les stores et qui est en train de fumer une cigarette sur la terrasse. Pris de peur, Raphaël en une seconde se relève et là en re-regardant vers l'homme, il se rend compte que l'homme s'est aussi levé et qu'il a la tête collée contre la baie vitrée. Raphaël se relève rapidement et là il remarque que l'homme a une capuche noire et un pull noir et qu'il reste complètement figé à le regarder. Et tout d'un coup, l'homme sort lentement un couteau de sa poche et il commence à taper avec sur la baie vitrée. Raphaël nous l'avoue, à ce moment-là, il est complètement tétanisé par la peur. Quand tout d'un coup, il ne s'y attendait pas du tout, mais il sent qu'il y a une main qui se pose sur son épaule.
En se retournant, il remarque que c'est en fait la gendarmerie qui vient d'arriver et qui en une seconde va ouvrir la porte et interpeller l'homme. Raphaël ne comprend rien à ce qui se passe, tout se passe hyper vite, surtout qu'en plus ils n'avaient pas du tout appelé la police et qu'ils sont arrivés pile au bon moment, il croit que c'est un miracle à ce moment-là. Raphaël comprendra en fait juste après que c'est sa compagne qui travaille de nuit, qui à ce moment-là était rentrée un petit peu plus tôt le soir, qui avait vu de l'extérieur un homme grimper sur le toit de leur appartement. C'est donc quelques minutes avant qu'elle avait appelé la police et c'est donc pour ça qu'ils sont arrivés plus tôt. En voyant l'homme grimper sur le toit, elle a tout de suite fait le lien avec tous les événements qui se sont passés les semaines d'avant et c'est donc à ce moment-là qu'elle a tout de suite décidé d'appeler la police. Heureusement, après ça, une semaine plus tard, il ne va rien se passer et la semaine d'après non plus et c'est finalement la police qui va les appeler pour les tenir au courant de l'affaire. L'homme en question était en fait un sans-abri qui avait déjà croisé Raphaël dans la rue et qui lui avait déjà demandé une pièce. Et apparemment, à partir de ce jour-là, il l'aurait suivi pour savoir où il habite. Et en plus de cela, celui-ci aurait énormément de troubles psychologiques. La police n'arrive pas à déterminer son mobile, il n'arrive pas à déterminer pourquoi il l'a suivi lui et pourquoi ce soir-là il avait décidé de vouloir s'en prendre à lui. Et d'ailleurs, quand ils vont lui poser la question, il va répondre que lui non plus ne savait pas. Actuellement, cette personne est hospitalisée et Raphaël n'en aura plus jamais de nouvelles. Encore aujourd'hui, cette histoire n'arrête pas de hanter Raphaël qui n'arrête pas de se demander ce qui aurait pu se passer ce soir-là. Cette histoire le hante vraiment et ce soir, il nous avoue que plus jamais la nuit, il ne se lève pour aller fumer sur sa terrasse. Bon, on est parti pour cette quatrième et dernière histoire et comme vous le savez, c'est la plus horrible des histoires qu'on va vous raconter et c'est peu de dire. Et d'ailleurs, cette histoire est plutôt particulière parce que la personne qu'on va étudier et qui est responsable de tous les méfaits qu'on va vous citer a été arrêtée en 2018 et sa condamnation a eu lieu en 2020, donc c'était vraiment récemment. On vous met quand même un gros disclaimer parce que même si on va rien raconter en détail, cette histoire contient énormément de violences et d'abus sexuels. Et vous allez le voir, cette histoire est malheureusement très originale. Mais pour avoir tout le contexte, revenons d'abord au milieu des années 40. Né en 1945, D'Angelo est l'aîné de 4 enfants. On n'a pas énormément de détails, mais il s'engage dans la marine américaine en 1964 et va participer à la guerre du Vietnam. Une fois libéré de l'horreur de cette guerre, il va à l'université et obtient une licence en sciences policières. Et un an après des fiançailles rompues en raison de sa violence, il obtient finalement une licence en justice pénale. De 1973 à 1976, il travaille à l'unité des cambriolages de la police d'Exeter. Et c'est là que les choses sombres vont également commencer, parce que pendant cette période, il va être responsable d'étudier les cambriolages pendant le jour, sauf qu'il va également commettre la nuit. Le premier crime de celui qu'on appellera plus tard Visalia Ransacker a été signalé le 19 mars 1974, mais on soupçonne qu'il ait commencé à commettre ses crimes bien plus tôt. Pendant la période où il travaillait à la police, il effectuait des rondes pour étudier les cambriolages, il en profitait également pour sélectionner lui-même des maisons des familles monoparentales et voir qui il pouvait lui-même cambrioler. Et une fois la nuit tombée, il s'introduisait dans les maisons et volait des objets de faible valeur tels que des pièces de monnaie provenant de tirelire, des petits bijoux et des sous-vêtements. Et bien entendu, il faisait gaffe à porter un masque de ski et des gants pour ne pas être reconnu. Joseph avait également de nombreuses techniques, comme le fait de placer des objets tels que des assiettes sur des poignées de porte et contre les portes pour signaler tout mouvement dans la maison. Et au total, c'est pas moins de 120 cambriolages qui vont être commis entre 1974 et 1976. Bon, jusque là, on est d'accord, c'est vraiment super cocasse et limite un petit peu comique. Il s'agit d'un policier qui étudie des cambriolages et qui se charge lui-même d'en réaliser. Mais c'est en 1975 que l'histoire devient beaucoup plus dramatique. Cette année, il s'introduit dans la maison du professeur de journalisme Claude Snelling, qui a 45 ans, pour enlever la fille de ce dernier, Bess. On ne connaît pas vraiment les motivations de cet enlèvement, ni pourquoi il a basculé des cambriolages à des choses beaucoup plus sombres, mais il va finalement la ligoter et tenter de la kidnapper lorsque Claude, son père, va sortir en courant. À ce moment-là, Joseph tire deux fois sur Claude qui essaie de sauver sa fille, ce dernier va trébucher à l'intérieur de la maison et mourir plus tard. Au final, le pauvre Claude aura quand même réussi à sauver sa fille. Après ça, Joseph commence à se retrouver un peu dans la sauce, il a vraiment peur que les détectives et les enquêtes trouvent des pistes qui mènent à lui. Et en décembre de la même année, Joseph va être arrêté par William McGowan, un détective local. À ce moment-là, avec son masque, il rôdait près d'une maison qui aurait déjà été cambriolée par lui-même. Et il va être pris en flagrant délit par William alors qu'il portait son masque. Ce dernier ne va donc pas pouvoir voir son identité. Mais en faisant semblant de se rendre, Joseph va finalement sauter la clôture, sortir son revolver et essayer de tirer sur le visage de William, mais heureusement il ne va pas réussir. En 1976, Joseph s'installe au nord de Visalia, dans la région de Sacramento à Auburn.
C'est la fin des cambriolages pour lui dans le sud, mais c'est le début d'invasions et d'abus sexuels beaucoup plus violents dans le nord de la Californie. Et ce qui est vraiment super particulier avec cette histoire, c'est que Joseph appelait ses victimes avant de les agresser. Il commence par cibler des femmes seules à la maison, puis des couples. Il traquait les femmes dans les quartiers bourgeois et les espionnait par la fenêtre. Il surveillait assidûment ses victimes et apprenait leur emploi du temps minutieusement. Et dès que l'occasion se présentait, il entrait chez elles par une fenêtre, fouillait la maison à la recherche de bijoux, de pièces d'identité et d'argent, torturait les occupants et dans certains cas, les tuait. Généralement, les victimes se réveillaient avec une lampe de poche dans le visage et sous la menace d'une arme à feu. Et le mode opératoire de Joseph consistait également à attacher les victimes avec des ligatures qui étaient généralement des lacets de chaussures. Et lorsqu'il s'en prenait au couple, on vous prévient, c'est des détails vraiment très durs à entendre qui vont s'en suivre. C'est vraiment super dur à dire et à entendre, mais il s'introduisait dans la maison des couples, il les menaçait et mettait des espèces de verreries, des assiettes et ce genre de choses sur le dos de l'homme en lui disant de ne pas bouger et que s'il bougeait et que quelque chose tombait, il les tuerait directement. Pendant ce temps-là, il prenait les femmes, les emmenait dans une autre pièce et leur faisait toutes sortes de tortures et d'abus sexuels pendant des heures. Et parfois, il prenait des pauses, allait dans le salon, prenait à manger juste avant de retourner à ses vices sordides. Il quittait ensuite les lieux à l'insu des victimes. Il lui arrivait aussi d'appeler le poste de police pour dire qu'il avait prévu sa prochaine victime et qu'il ne pouvait pas l'attraper. Ces agressions ont suscité une grande peur au sein de la population, les patrouilles de police ont été renforcées et des civils ont même formé leurs propres patrouilles. Et c'est finalement une cinquantaine d'abus sexuels qui vont avoir lieu au cours de cette période. En juillet 1979, Joseph tente une nouvelle attaque, mais la victime potentielle, qui avait le sommeil léger, l'a vu mettre sa cagoule et l'a finalement chassé. Et c'est finalement en octobre de la même année qu'il va être licencié de la police. Mais pas du tout pour les raisons que vous croyez. Joseph est en fait arrêté pour vol à l'étalage et condamné à 6 mois de mise à l'épreuve. On suppose par ailleurs qu'il aurait espionné la fille du chef de la police à travers sa fenêtre avec une lampe de poche en guise de représailles. Et c'est finalement après sa peine qu'il va retourner dans le sud de la Californie où il va commettre d'autres meurtres de plus en plus nombreux. Entre 1979 et 1981, Joseph va tuer pas moins de 9 personnes. Et il s'agit malheureusement toujours de la même chose, des intrusions à domicile, des abus sexuels, des personnes qui ont été battues à mort. Mais de 1981 à 1986, les crimes vont connaître une pause. Pendant ce temps, Joseph va simplement avoir 3 filles et va retrouver un boulot de mécanicien. Et c'est finalement en juillet 1986 qu'il va commettre son dernier meurtre sur une jeune fille âgée d'à peine 18 ans. Et après cela, c'est la disparition totale, plus aucune nouvelle du tueur en série. Alors que pendant des années, personne n'avait la moindre idée de qui se cachait derrière cet horrible meurtrier, c'est en 2001 que des tests ADN vont confirmer et faire le lien entre toutes les affaires. La police va également confirmer qu'il s'agit de l'un des criminels les plus prolifiques de l'histoire de la Californie. En 2016, le FBI va publier de nouvelles informations pour aider à découvrir l'identité de celui qu'on appelle le Golden State Killer et va également augmenter la récompense de $50,000. Et le FBI va aussi déclarer « S'il est toujours en vie, le tueur serait maintenant âgé d'environ 60 à 75 ans. Il est décrit comme un homme blanc mesurant près de 1m80, aux cheveux blonds ou châtain clair et de corpulence athlétique. Il pourrait avoir un intérêt ou une formation pour les techniques militaires ou de maintien de l'ordre et il savait manier les armes à feu. » Et c'est finalement le 19 avril 2018 que Joseph va être arrêté grâce à un site de généalogie qui aura fait une correspondance entre son ADN et toutes les affaires qui ont été recensées jusque-là. Joseph DiAngelo, âgé de 72 ans, est arrêté à son domicile et inculpé de 8 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Et c'est à peine un mois plus tard qu'il va être inculpé de 4 autres chefs d'accusation. Joseph va être jugé pour ses crimes dans l'ensemble du comté lors d'un seul procès et va d'abord plaider non coupable en janvier 2020. Mais finalement, pour éviter la peine de mort, il va plaider coupable des 13 chefs d'accusation. Mais le plus horrible dans tout ça, c'est qu'il ne va même pas être condamné pour tout ce qu'il a fait, tous les abus sexuels, tous les meurtres qu'il aura commis, parce qu'il y avait prescription sur la plupart d'entre eux. Et encore aujourd'hui, Joseph est toujours vivant et incarcéré dans la prison de l'État de Californie. La deuxième histoire, c'est celle de Ben et elle s'est passée il y a un an dans une période que vous connaissez très bien et dans laquelle on est toujours un petit peu, c'est celle de Noël. Et on vous prévient, ce qui l'a marqué dans cette histoire, c'est pas les cadeaux. À cette époque-là, Ben était chez son père avec certains de ses frères et sœurs. Ben, qui à ce moment-là a 15 ans, passe une super bonne soirée, ils vont tous faire la fête et après le dîner, son père va rejoindre sa nouvelle compagne. Il reste donc à la maison à ce moment-là son oncle, ainsi que son frère aîné de 1 an de plus que lui, et sa sœur qui est toute petite, elle est en bas âge. La soirée se termine, le lendemain matin, Ben il se réveille très tôt pour recharger sa tablette et donc il va s'asseoir à côté d'une prise pour le faire.
Toutes les autres personnes qui sont dans la maison sont en train de dormir parce qu'ils sont en train de récupérer de la belle soirée qu'ils ont passée la veille. Et c'est là que Ben va entendre quelqu'un toquer à la porte de l'arrière. Directement, il va se dire que c'est son père qui est en train de rentrer, mais là, le tambourinement va être de plus en plus fort et ça va devenir à un tel point que Ben n'arrive pas à l'expliquer, mais il va être complètement tétanisé. Il est complètement paniqué, il a super peur et en fait, ça va devenir fort à un point où la porte va même se péter. Ben a déjà entendu parler d'histoires d'effraction, mais bon, on ne peut pas être préparé à quelque chose qui nous arrive dans la vraie vie et donc complètement sous le choc, il n'arrive pas à bouger, il ne sait absolument pas quoi faire. Ben a toujours sa tablette dans la main, mais il décide de la poser, il regarde un petit peu autour de lui et là il remarque qu'il y a une lampe torche, il décide donc de l'attraper parce qu'il se dit que s'il doit se défendre, c'est le seul objet qu'il a à portée de main. Et finalement, lorsqu'il entend l'individu rentrer dans la maison, son instinct de survie commence à parler. Il se lève, il traverse le rez-de-chaussée et il décide de monter à l'étage. Une fois arrivé à l'étage, Ben se réfugie dans la première pièce qu'il trouve, il la verrouille et juste quelques secondes après, il entend que l'homme est sur le palier de la porte. Et quand on dit qu'il l'a verrouillé, c'est en fait qu'il l'a juste fermé en espérant que l'individu croit qu'elle le soit. Malheureusement, ce n'était pas le cas du tout. Et c'est sans surprise que l'homme va tourner la poignée, ouvrir la porte, regarder à droite, à gauche et remarquer que Ben est assis dans un coin de la pièce à peine un mètre de lui. On vous l'accorde, c'est clairement une scène de film d'horreur. Ben remarque que l'individu est massif, il est super grand, il est même plus grand que son père. L'homme est vêtu de noir, il a un masque et il porte aussi un pied de biche dans la main. Ben sait que l'individu aura forcément l'ascendant physique et donc il va retourner à son instinct primaire et il va faire la première chose qui lui passe par la tête, il va hurler le plus fort possible et pendant le plus longtemps possible. Et là c'est la grosse surprise parce que l'individu un petit peu apeuré va également lâcher un cri et là il va partir en courant, descendre les escaliers et sortir de la maison. Ben, qui reprend un petit peu confiance en voyant ça, commence à le suivre un petit peu et il va lui hurler dessus en lui disant de se barrer. Il va crier aussi fort qu'il l'avait fait juste avant. Ben est conscient que ça puisse être étonnant, mais pour lui, c'était vraiment la meilleure solution d'hurler le plus fort possible et c'était la seule solution d'ailleurs à ce moment-là. Bien entendu, tous ceux qui étaient dans la maison ont entendu ce qui venait de se passer. Son oncle est déjà réveillé. Ben, il va aller voir son grand frère qui, à ce moment-là, est complètement confus parce qu'il est en train de se réveiller. Très rapidement, il va aussi aller voir sa petite sœur pour voir si tout va bien et heureusement, c'est le cas. Son oncle, qui lui est déjà armé parce qu'il a déjà un couteau, va prendre les choses en main. Il va dire à Ben de s'armer aussi au cas où l'individu reviendrait et il va même lui dire de se poster au niveau de la porte arrière au cas où il déciderait de revenir par là. Son oncle est super vénère, il décide de sortir de la maison et de faire tout le tour du quartier en le cherchant. Pendant ce temps-là, Ben, lui, reste à l'endroit où son oncle l'avait positionné avec une arme sans savoir quoi faire du tout et tremblant de peur. Et finalement, son oncle va revenir à la maison en lui disant qu'il n'avait pas retrouvé l'individu et que très certainement il avait un complice qui était en voiture parce qu'il n'aurait pas pu s'échapper aussi vite que ça. Très rapidement après ça, Ben va appeler son père qui n'était qu'à 10 minutes en voiture de là et qui va donc se précipiter pour rentrer le plus vite possible. Et là, ils vont commencer à analyser un petit peu la situation et le comportement de l'agresseur et ils vont se rendre compte de quelque chose d'assez bizarre. Lorsque l'individu est rentré, il s'est tout de suite précipité à l'étage alors qu'au rez-de-chaussée, il y avait plein de cadeaux de Noël, il y avait même des consoles de jeux, plein de trucs qui valent quand même assez cher. Mais lui, il n'a même pas regardé et comme on l'a dit juste avant, il s'est bien précipité à l'étage tout de suite, presque comme s'il connaissait la maison. Et le petit détail qui accentue cette chose bizarre, c'est que dans la maison, à l'étage juste à côté de la chambre du père, il y a un endroit et donc une pièce où il y a plein d'objets de luxe, il y a des montres et des choses qui valent très cher. Ben, son oncle et son père vont commencer à théoriser, ils vont commencer à réfléchir et ils vont se dire que clairement c'était impossible qu'un inconnu comme ça puisse connaître l'existence de cette pièce et donc ils vont se dire que c'était forcément une connaissance ou un ami de son père. Bien entendu, le père de Ben va lui demander plein de fois de décrire cet individu. Malheureusement, étant donné qu'il portait un masque et que la situation s'est enchaînée très vite, il va lui dire le peu qu'il a vu, mais rien ne va être très concluant et son père ne va pas comprendre qui ça pourrait être. Ils vont décider de ne même pas appeler la police parce que apparemment dans ce quartier, il n'était pas vraiment serviable, ce qui est vraiment triste. Malheureusement, ils ne vont donc jamais retrouver cet individu qui a carrément agressé toute cette famille ce soir de Noël. Et un an plus tard, lorsque Ben va refêter Noël, il ne va pas se sentir bien dans sa maison parce qu'il n'arrivera pas à oublier ce jour-là où il s'était retrouvé face à un individu qui lui voulait du mal. Bon, mettons les choses au clair. La seconde histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire d'un tueur en série qui est vraiment connu. En tout cas, je suis sûr que le nom de cette personne est familier pour certains d'entre vous. Et c'est celle de Edmund Emil Kemper, dit Ed Kemper.
Ed naît en Californie le 18 décembre 1948 et c'est le second enfant et seul fils du couple formé par Clarnell Elizabeth Stage et de Edmund Emil Kemper, donc sa mère et son père, et vous l'aurez remarqué, son père a le même nom que lui. Et ce dernier est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a testé de nombreuses armes nucléaires avant de retourner en Californie pour avoir un boulot d'électricien. Et dès sa naissance, Ed, celui dont on parle dans cette histoire, est un gros bébé qui pèse quasiment 6 kg et on voit déjà que ça va être un grand gaillard plus tard. À 4 ans, il dépasse en taille tous ses camarades de classe, il est aussi super intelligent, tous ses profs sont super satisfaits de ses résultats, mais c'est malheureusement dès les premières années de sa vie qu'on voit qu'il commence à dériver. Enfant, Ed est déjà super cruel envers les animaux. À l'âge de 10 ans, il n'hésite pas à enterrer un chat vivant, puis il lui coupe la tête et va la clouer. Et 3 ans plus tard, il va réitérer son expérience, il s'amuse à capturer des animaux, à les tuer, à les torturer et même à cacher des parties d'entre eux dans les placards de sa sœur cadette. Et en parlant de ses sœurs cadettes, il en a deux, sa sœur aînée Suzanne Hughey Kemper et sa sœur cadette Aline Lee Kemper. Et d'ailleurs, ses sœurs embêtent parfois Ed sur le sujet de sa grande taille ou sur d'autres sujets. Par exemple, lorsqu'il était jeune garçon, Ed se glisse hors de chez lui et, armé de la baïonnette de son père, part chez sa prof de deuxième année pour la regarder à travers la fenêtre. Et c'est là que sa sœur Suzanne va le taquiner et va lui demander pourquoi il n'embrasserait pas son professeur. Et Ed, le plus sérieux du monde, va simplement lui répondre « Si je le fais, je devrais d'abord la tuer ». Et en plus de ça, avec sa sœur cadette, il a des jeux vraiment super morbides et ses préférés s'appelleraient notamment la chaise électrique et la chambre à gaz. Donc ouais, ça en dit long. Ed entretient donc une relation un petit peu conflictuelle avec sa famille, avec ses sœurs, c'est vraiment pas la joie. Et bien que tous ces actes de cruauté envers les animaux montrent qu'on a bien affaire à quelqu'un qui n'est pas très stable mentalement, ses sœurs ne sont pas en reste. Suzanne va elle aussi montrer des actes sadiques puisqu'elle va tenter de tuer Ed en le poussant devant un train. Une autre fois, elle le pousse au fond de la piscine avec la ferme intention qu'il se noie. Mais malgré toutes ces relations conflictuelles, Ed peut se raccrocher à une personne, son père. Et lorsque ses parents se séparent en 1957, le jeune Ed est complètement dévasté. Il se retrouve alors seul garçon au milieu de femmes, puisqu'il est dorénavant élevé par sa mère Clarnell à Helena dans le Montana. Avec elle, Ed entretient une relation extrêmement dysfonctionnelle. Sa mère est une alcoolique névrosée, complètement dominatrice, qui n'hésite pas à le rabaisser et à l'humilier. Très souvent, Clarnell fait dormir Ed dans le sous-sol, puisqu'elle aurait apparemment peur que ce dernier s'en prenne à ses sœurs qui se moquaient de sa grande taille. Et en effet, sa grande taille, c'est peu de le dire, parce que déjà à l'âge de 15 ans, il mesure 1m93. Jeune adolescent, il manque d'affection de la part de sa mère qui refuse de le prendre dans ses bras et de lui faire des câlins de peur de le rendre gay. De plus, il ressemble physiquement à son père et pour cela, sa mère va lui dire qu'elle ne l'aimera jamais. Bon, clairement, cette ambiance familiale, c'est beaucoup trop pour le jeune Ed qui va décider de fuguer de la maison familiale de sa mère pour essayer de rejoindre son père. En y arrivant, il découvre que son père s'est remarié et qu'il a refondé une famille, et le jeune Ed va donc y rester quelques temps avant que son père l'envoie chez ses grands-parents dans une espèce de ranch un petit peu reculé. Mais malheureusement, avec ces derniers, ça ne se passera pas du tout bien. Le 27 août 1964, la grand-mère d'Ed, Maud Matilda Hughey Kemper, est assise à la table de la cuisine lorsque se dispute avec son petit-fils. Irrité par la dispute, Ed prend un fusil que son grand-père lui a offert pour la chasse. Il retourne ensuite à la cuisine et tire mortellement dans la tête de sa grand-mère avant de lui tirer deux fois dans le dos, puis la poignarde plusieurs coups de couteau post-mortem. Et lorsque son grand-père Edmund Emil Kemper, premier du nom, revient au ranch après avoir fait ses courses, Ed sort du ranch et l'abat à son tour. Complètement paralysé par ce qu'il vient de commettre et ne sachant plus quoi faire, Ed est tremblant et décide de téléphoner à sa mère qui va lui conseiller d'appeler la police. Arrêté quelques minutes plus tard, il déclara simplement au policier « Je voulais seulement savoir ce que cela faisait de tuer grand-mère. Je n'ai tué grand-père que parce que je ne voulais pas que celui-ci découvre sa femme morte. » Suite à ça, Ed est diagnostiqué comme schizophrène paranoïaque et est envoyé en hôpital psychiatrique. Et dans cet hôpital, les psychiatres et les travailleurs sociaux ne sont pas du tout d'accord avec les précédents diagnostics. Pour eux, Ed ne montre aucune fuite d'idées, aucune ingérence dans la pensée, aucune expression de délire ou d'hallucination, ni aucune preuve de pensée bizarre et indique qu'il a un QI de 136. Ed n'aurait donc aucune déficience mentale, ne serait pas du tout déséquilibré et quelques semaines plus tard, c'est un autre test de QI qu'il va passer et cette fois, le score final va révéler qu'il aurait un QI de 145. Et malgré tout, durant sa détention, Ed va être vraiment un prisonnier modèle. À tel point qu'il est formé pour administrer lui-même des tests psychiatriques à d'autres détenus. Et d'ailleurs, l'un de ses psychiatres déclara « C'était un très bon travailleur, et ce n'est pas typique d'un sociopathe. Il était vraiment fier de son travail. »
Et par la suite, Ed déclara à son tour que la compréhension des tests lui a permis de manipuler les psychiatres et que durant tous les tests qu'il a dû lui-même administrer à d'autres délinquants sexuels, il en a profité pour les interroger et apprendre énormément de choses sur le sujet. Le 18 décembre 1969, Ed a 21 ans et est libéré sous condition. Contre les recommandations des psychiatres de l'hôpital, il retourne finalement chez sa mère qui s'est déjà remariée et redivorcée. Et 3 ans plus tard, son dossier de mineur tueur est complètement supprimé. Dans son dernier rapport, un de ses psychiatres dira « Si je devais voir ce patient sans connaître ses antécédents, je penserais que nous avons affaire à un jeune homme très bien adapté, doté d'initiative, d'intelligence et exempt de toute maladie psychiatrique. À mon avis, il a très bien réagi aux années de traitement et de rééducation et je ne vois aucune raison psychiatrique de le considérer comme un danger pour lui-même ni pour la société. » J'estime qu'il est raisonnable d'exclure de manière définitive son registre des mineurs. Mais comme on va le voir, ce psychiatre n'avait aucune idée d'à quel point il était loin de la vérité. Durant cette période, Ed va enchaîner plusieurs emplois, il va même se rapprocher de la police avec qui il va avoir beaucoup de verres dans des bars. Et malheureusement, sa relation avec sa mère ne se passe pas du tout bien, ils sont toujours en train de se disputer. Plusieurs fois, il déménagera pour tenter d'échapper à cette relation, mais le manque d'argent et de gains financiers lui feront toujours revenir chez sa mère. Et un jour, alors qu'il sera victime d'un petit accident de moto et qu'il sera dédommagé, il va profiter de cet argent pour s'acheter une voiture qui ressemblera notamment énormément à une voiture de police banalisée. Et ce détail a son importance dans l'histoire, car c'est grâce à cette voiture qu'il prendra de nombreuses personnes en autostop. Et c'est au total plus de 150 femmes qui monteront dans cette voiture et qui arriveront finalement à bon port sans jamais savoir qu'elle était pleine d'objets pour les tuer. Ed, qui était de plus en plus dérangé et de plus en plus violent, voulait vraiment passer à l'acte de tuer quelqu'un, mais s'il ne l'avait pas encore fait, c'est pour une raison bien précise. Il avait tout simplement établi une liste de critères de femmes qu'il voulait tuer, et le plus important d'entre eux était simplement qu'elle devait être d'une famille aisée, d'une famille riche. Et c'est finalement entre mai 1972 et avril 1973 que Ed va commettre une série de meurtres. En à peine 11 mois, Ed assassinera très violemment pas moins de 5 jeunes femmes. Cela m'a toujours étonné qu'elles aient continué à faire de l'autostop, même après la découverte des premiers corps. Elles me narguent du fait qu'elles s'octroient le droit d'agir comme bon leur semble. Cela me démontre que la société est aussi tordue que je le pense. C'est quelque chose qui me dérange, elles se sentent en sécurité dans une société où moi, je ne le suis pas. Et pour vous décrire un petit peu tous ces meurtres, ils suivent un peu la même trame. Une ou deux jeunes filles sont prises en autostop, mais malheureusement, ils ne les amènent pas du tout à bon port, ils s'éloignent de plus en plus, arrêtent la voiture et les assassinent violemment. Le 7 mai 1972, après avoir roulé pendant une heure et avoir atteint une zone boisée, sans avertir ses passagères, il va changer de direction. Il a l'intention d'abuser d'elle sexuellement et menotte Marie-Anne Pesquet et enferme Anita Lucchesa dans le coffre avant de les poignarder et de les étrangler. Il a ensuite mis les deux corps dans le coffre de sa Ford Galaxy et va rentrer à son appartement. Son camarade de chambre n'y étant pas, Ed y emporte les corps. Là, il prend énormément de photos et a des rapports sexuels avec les corps nus avant de les démembrer. Il met ensuite les parties des cadavres dans des sacs plastiques et les abandonne près d'une montagne. Des restes seront ensuite retrouvés et feront un petit peu la une des journaux, mais Ed ne compte pas s'arrêter là. Le 14 septembre 1972, c'est une jeune étudiante de 15 ans du nom de Aiko Ku qui sera la victime de Ed. Retournant encore une fois dans son appartement, il fait subir toutes sortes de sévices au corps sans vie de la pauvre jeune fille. Je vous épargne vraiment les détails, mais c'est vraiment les pires choses que vous puissiez imaginer, les pires actes de nécrophilie et même parfois de cannibalisme qu'il va s'adonner sur les corps. Il va les abuser de nombreuses fois et va ensuite s'en débarrasser. Vous vous demandez peut-être ce que l'on ressent à avoir une relation avec un cadavre ? Ou quelle impression on éprouve assis sur son divan à regarder deux têtes coupées posées à vos côtés? La première fois, ça vous rend malade. Pour vous faire partager mon état d'esprit de l'époque, que croyez-vous que je pense lorsque je croise une jolie fille dans la rue? Une partie de moi se dit « Quelle chouette nana, j'aimerais lui parler et sortir avec elle. » Et l'autre moitié de moi pense « Je me demande à quoi ressemblerait sa tête, enfoncée sur un pieu. » Le 7 janvier 1973, c'est la pauvre Cindy Schall qui va tomber sous les coups de Ed. Et encore une fois, le même schéma se répète, c'est vraiment des choses indicibles qui va lui faire subir, vraiment, on peut pas vous les dire dans une vidéo YouTube. À ce moment-là, il habite de nouveau chez sa mère et il attend sagement qu'elle parte pour sortir le corps des placards qui était jusque-là caché et commencer à le démembrer et à lui faire toutes sortes de choses. Et après en avoir fini, il jette tout simplement les restes, d'ailleurs certains d'entre eux seront retrouvés et les policiers décriront une sorte de puzzle macabre qui était à assembler, vraiment quelque chose de dégoûtant.
Et finalement, le 5 février 1973, la presse commence à parler d'un tueur en série qui sévirait dans le coin et qui s'en prendrait aux jeunes femmes, leur conseillant de ne surtout pas monter dans les voitures d'inconnus qui ne portent pas le nom de l'université. Mais Ed a encore une fois tout prévu, car sa mère travaille à cette université et du coup il a ce logo de l'université qu'il va flanquer sur sa voiture et prendra encore une fois deux autres jeunes filles, ses dernières victimes, en tout cas victimes étudiantes. Et il s'agit de Rosaline Thorpe et de Allison Liu. Après les avoir prises en stop et les avoir abattues avec son calibre 22, enveloppées leurs corps dans les couvertures, Ed va de nouveau ramener ses victimes chez sa mère. Cette fois, il leur coupera la tête dans sa voiture et transportera les cadavres sans tête dans la maison afin d'avoir des rapports avec elle. Le lendemain, Ed se débarrasse des restes. Certains morceaux seront retrouvés à Eden Canyon une semaine plus tard et d'autres près de la route 1 en mars. Et tout en commettant toutes ces atrocités, Ed n'hésite pas à sortir régulièrement, à aller à des fêtes, à aller dans des bars, boire des coups, et à chaque fois qu'il rentre, il se dispute avec sa mère. Et le 20 avril 1973, c'est la fois de trop. De retour d'une fête, Ed va rentrer dans la chambre de sa mère, qui va lui demander s'il voulait parler, mais lui adressant un regard froid, et lui dit simplement bonne nuit. Mais bien entendu, il a son plan en tête. Ed attend qu'elle s'endorme et revient la matraquer avec un marteau et lui trancher la gorge avec un couteau. Et là, encore une fois, il va lui faire toutes sortes d'abus, des choses vraiment dégueulasses. Mais vraiment, tu passes à pour rigoler, n'allez pas voir, c'est vraiment... ça n'a aucun intérêt. Il met ensuite sa tête sur une étagère, il va commencer à lui dire toutes sortes de choses, ses quatre vérités. Il hurlera en lui disant tout ce qu'il pensait. Et après un énième acte de barbarie, il cachera le corps de sa mère dans un placard et sortira boire. À son retour, il va profiter pour inviter la meilleure amie de sa mère à la maison et il va également la tuer. Et c'est finalement à ce moment, sans raison précise, que Ed va de lui-même appeler la police et laisser un message énigmatique. Elle est décédée approximativement 5h15 ce samedi. Elle n'a plus besoin de souffrir de la part de cet homme que vous appelez l'horrible boucher meurtrier. C'était rapide comme je l'ai voulu. Pas bâclé mais incomplète messieurs. Juste un manque de temps parce que j'ai d'autres choses à faire. Après ça, Ed quitte les lieux et se rend dans le Colorado. Et 30 heures plus tard, s'attendant à avoir des nouvelles dans la presse ou alors entendre parler des meurtres qu'il aurait commis, il voit qu'il n'en est rien. Il appelle donc encore une fois la police pour tenter de se rendre, mais il ne sera pas pris au sérieux, ce à quoi il répondra qu'il faut absolument lui passer un contact de la police qu'il connaissait personnellement, et cette fois-ci, il sera pris au sérieux. Ed est rapidement arrêté et on lui demandera bien évidemment pourquoi il s'était rendu, ce à quoi il répondra. Le but initial avait disparu. Ça ne servait plus aucun but physique, réel ou émotionnel. Ce n'était qu'une pure perte de temps. Vers la fin, je commençais à ressentir la folie de toute cette fichue chose et au point d'être presque épuisé, au bord de l'effondrement, j'ai juste décidé d'en finir. Le 7 mai 1973, Ed est inculpé pour 7 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Son avocat va essayer de plaider l'aliénation mentale, mais ce ne sera pas retenu par le jury. Et pendant sa détention, Ed tentera de mettre fin à sa vie à deux reprises. Et c'est le 1er novembre, lors de son procès, qu'il va lui-même tenter de plaider l'aliénation mentale, disant à la cour qu'il avait un espèce de double maléfique qui commettait tous les meurtres à sa place. Et au bout d'une semaine de procès intense, le jury rend son verdict. Ed Kemper était sain d'esprit et coupable pour tous les chefs d'accusation. Il est donc condamné à perpétuité et à se rendre à la California Medical Facility. Dans ce centre médical, il est incarcéré dans le même bloc de prison que d'autres criminels notoires, tels que Herbert Mullin, mais ça on en parlera juste après. Ed montre d'ailleurs un dédain particulier pour Mullin, qui a commis ses meurtres au même moment que lui à Santa Cruz. Il le décrit comme un tueur de sang-froid, tuant tout le monde sans aucune raison. Au moment où on vous parle, Ed fait toujours partie de la population carcérale et est même décrit comme étant un prisonnier modèle. Et durant toute son incarcération, Ed va participer à de nombreuses interviews. Il va d'ailleurs être décrit de nombreuses fois comme le plus brillant détenu qu'on a jamais interrogé. Et finalement, après tous les refus de libération conditionnelle, Ed déclara lui-même « Je pense que la société n'est pas prête pour moi, mais je ne peux pas leur en vouloir. » La deuxième histoire, c'est celle de Carole, qui est mère de famille. Elle a 24 ans au moment des faits et elle a déjà un fils qui a 2 ans. Malheureusement, ça ne se passait pas vraiment bien avec son mari qui était sujet à la drogue et donc elle a simplement décidé de le quitter et de se séparer de lui. Et étant en manque de revenus, malheureusement, sa seule solution à cette époque, c'était de retourner vivre chez ses parents. Et pour contextualiser un petit peu le lieu, elle nous raconte que le quartier de ses parents est vraiment super tranquille, vraiment il ne se passe rien du tout.
Elle y a vécu pendant 20 ans et vraiment pendant toutes ces années, elle n'avait aucun incident à déplorer. Mais malheureusement, vous le savez, si on vous raconte cette histoire, c'est qu'il s'est bien passé quelque chose ce soir-là. Ce jour en question, il est minuit et Carole n'arrive vraiment pas à fermer l'œil de la nuit. Elle a super chaud à l'étage, elle habite dans une ville et dans un pays où vraiment en été, il y a des températures un petit peu extrêmes et donc elle va décider de prendre son bébé et d'aller au rez-de-chaussée. Elle se pose tranquillement dans le canapé, dans le salon de ses parents, et là elle allume la télé pour passer un petit peu le temps de trouver le sommeil en fait. Et d'ailleurs c'est plutôt ironique parce qu'elle a l'air d'être un petit peu une fan de l'horreur, parce que sur la télévision elle regardait une émission qui s'appelle Murder Mysteries. Elle nous raconte quand même pour nous rassurer que de toute façon elle n'avait aucune crainte, que jusque là tout allait très bien parce que son père était vraiment à cheval sur la sécurité et que du coup dans l'enceinte de sa maison elle se sentait vraiment en sécurité. Et d'ailleurs elle a vu son père fermer toutes les portes de la maison avant d'aller se coucher et donc vraiment elle va simplement s'endormir tranquillement devant son émission. Et pendant la nuit bah il va absolument rien se passer parce que comme prévu c'était super sécure en fait. Et elle va se réveiller le matin au son de son père qui était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Carole commence donc tranquillement à préparer sa journée et au moment où elle passe devant la cuisine, elle va voir son père se diriger vers le garage. Sauf qu'en croisant le regard de son père, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Parce que posté devant la porte du garage, il avait vraiment une expression un petit peu choquée. Et là, les deux se rendent compte en fait que la porte du garage était complètement grande ouverte, ce qui n'était pas du tout normal. Ils étaient complètement sûrs de l'avoir fermée la veille et que personne ne l'avait ouverte ce matin. Mais bon, le père de Carole est vraiment pragmatique, il va se dire que ça devait être un oubli de la part de Carole et qu'elle avait dû ouvrir la porte du garage pendant la nuit et qu'elle avait oublié de le fermer et donc il va simplement lui demander si c'était elle. Carole va bien entendu dire que ce n'était pas elle, qu'elle avait aucun intérêt à ouvrir la porte du garage et son père va simplement continuer le chemin en se disant qu'elle n'assumait pas trop de l'avoir fait et bref, il va passer très vite là-dessus. Mais bref, Carole est un petit peu en retard, elle doit finir de se préparer et donc elle va le faire tranquillement et finalement se diriger dans sa voiture qui était dans le garage. Sauf que là, Carole se rappelle que sa voiture n'est pas dans le garage de ses parents parce que ses parents avaient déjà garé leurs deux voitures dans le garage et que donc la sienne était dehors à côté du trottoir. Et elle nous précise également que depuis la maison de ses parents, on ne voit pas très bien là où sa voiture était garée. Bref, Carole sort donc de la maison, elle se dirige jusqu'à sa voiture, sauf que là, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est dans la voiture en fait. Et on vous le concède, on aurait tous trouvé ça très bizarre, mais Carole pas du tout parce qu'il y a un petit hic. Et à ce stade de l'histoire, on vous précise quand même quelque chose. L'histoire ne se passe pas en France, c'est dans un pays étranger, on ne connaît pas vraiment la culture du pays en question, et donc dans la suite de l'histoire, il se peut qu'il y ait des choses qu'on ait du mal à comprendre, vous comme nous. Du coup, en fait, ce qu'elle nous précise, c'est que depuis qu'elle a rompu avec son ex, il est devenu sans abri, et que donc elle laisse sa voiture ouverte pour que lui vienne y dormir lorsqu'il ne trouve pas de refuge. Elle va donc se dire que c'était lui, elle ne panique pas du tout et va donc se diriger tout naturellement vers sa voiture. Et c'est même tellement naturel pour elle qu'il n'a absolument aucune appréhension qu'elle va simplement rentrer dans la voiture en se disant qu'elle va juste trouver son ex-mari à ses côtés. Sauf que là, en rentrant dans la voiture, elle se rend compte que ce n'était pas du tout lui qui était à ses côtés. Elle voit que sur la banquette passager, il y a un homme qu'elle ne connaît pas du tout, qui est très imposant et qui la regarde avec un regard très dur. Surtout qu'à ce moment, détail quand même très important, elle avait son fils dans les bras qu'elle comptait mettre dans les sièges auto derrière. Et donc complètement paniquée et sous le choc, elle va très vite se ressaisir pour hurler à l'homme de sortir de sa voiture. Mais l'homme, le plus stoïque possible, va simplement la regarder et lui dire que non, il ne sortira pas parce que c'était sa voiture. Carole ne comprend pas du tout, elle se demande comment les choses ont pu arriver là, et elle a aussi très peur pour son fils qui est toujours dans ses bras. Et elle avait également peur qu'en tentant de sortir de la voiture, l'homme le rattrape et fasse du mal à son fils. Sauf qu'au loin, à travers le pare-brise, elle voit un de ses voisins qu'elle connaît très bien se rapprocher de plus en plus de la voiture, et donc là Carole va tenter le tout pour le tout, et elle va donc hurler le plus fort possible pour l'alerter de la situation. Et là, le mec imposant à ses côtés va directement réagir, et il va fermement plaquer sa main sur la bouche de Carole pour que l'homme ne l'entende pas. Et heureusement, c'était trop tard parce que le voisin l'avait vu et donc il se met à courir vers la voiture et Carole va profiter de cet effet de surprise pour se dégager de l'emprise de l'homme et sortir de la voiture saine et sauve avec son fils. Tout de suite et toujours en état de choc et alors que le voisin venait à sa hauteur, elle va lui dire d'appeler la police le plus vite possible parce qu'elle venait de subir une agression. Sauf que là, elle voit le gars qui était dans sa voiture sortir et courir le plus vite possible pour s'échapper de cette situation. Mais le voisin ne va pas se dégonfler pour autant, il va sortir son portable et quand même appeler la police. Effet assez surprenant et assez rare pour être souligné dans un thread d'horreur, la police va finalement attraper l'individu, et donc Carole va finalement avoir le fin mot de l'histoire et découvrir qui c'était. Elle va se rendre compte avec effroi qu'il s'agissait d'un homme qui avait déjà été arrêté parce qu'il avait déjà commis plusieurs cambriolages, et ce n'est malheureusement même pas ce détail qui va plus la faire flipper, parce que la police va également lui déclarer qu'il avait déjà été arrêté pour tentative de viol. L'homme portait également sur lui le jour de la rencontre des objets qu'il avait volés dans les autres maisons aux alentours.
et il va avouer à la police qu'il se chargeait de faire le guet dans la voiture de Carole pendant que deux de ses complices étaient en train de cambrioler des maisons. Et le sang de Carole va se glacer lorsqu'elle va se rendre compte que la porte de son garage était également ouverte et que sa maison était certainement la dernière qu'ils avaient tenté de cambrioler ce jour-là. Heureusement, ils n'ont pas réussi, mais ces deux complices ont réussi à fuir avant l'arrivée de la police et le troisième s'était caché dans la voiture pour éviter de confronter la police. Et le hasard aura quand même fait qu'il se trouvait ce jour-là dans la voiture de Carole. Carole va être complètement choquée, elle n'avait aucune idée que ce genre d'histoire pouvait arriver dans la maison de ses parents qui vivaient dans un quartier, dans une ville qui était si calme. Et jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrête pas de repenser à ce jour-là où finalement elle se sentait en sécurité alors qu'elle était avec son fils à seulement deux pas d'un potentiel agresseur. La deuxième histoire, c'est celle de Margot qui nous raconte ce soir son témoignage. On n'a pas beaucoup d'informations sur elle, on ne connaît pas son âge, mais on imagine qu'elle est plutôt jeune parce qu'elle nous dit qu'elle est très connectée et qu'elle traîne très souvent sur les réseaux sociaux et sur internet en général. Et d'ailleurs, elle commence son récit en nous racontant une petite histoire. Elle nous dit qu'il y a longtemps, elle s'était embrouillée avec une amie à elle qui aimait cyberharceler les gens qu'elle n'aimait pas. Réalisant que c'était un comportement hyper toxique, elle a coupé les ponts avec cette personne et après ça, elle a commencé à prendre de nombreuses précautions sur ses réseaux sociaux. Par exemple, elle a configuré la sécurisation en deux étapes pour qu'il y ait une demande de code à recevoir sur son téléphone pour pouvoir se connecter au cas où quelqu'un essayait de se connecter à sa place. Enfin bref, elle fait ça pour être sereine, mais depuis, elle n'y pense plus vraiment jusqu'à il y a très peu de temps. Un jour, alors qu'elle est tranquillement chez elle en train de chiller, elle reçoit un SMS d'une personne qu'elle ne connaît pas et c'est très étrange parce que cette personne l'appelle par son prénom et son nom de famille en entier. Très vite, elle se met sur ses gardes parce que c'est étrange. La personne a bien orthographié son prénom, ce qui est plutôt étrange parce que son prénom n'est pas du tout répandu là où elle habite. Bon, au début, elle rationalise, elle se dit que c'est pas grave, c'est certainement un ami qui a changé de téléphone et qui essaye de la recontacter. Elle va donc lui envoyer la réponse classique « qui c'est ?» et là, la personne va lui rétorquer quelque chose qui va lui faire froid dans le dos. « Ah, c'est toi, tu as 18 ans maintenant, j'ai quelque chose à te faire payer. » Margot ne comprend pas du tout ce qu'il veut dire par là, elle se dit que c'est certainement une arnaque peut-être pour pirater sa carte bancaire, un truc du genre. Et donc, elle va tout simplement lui redemander qui c'est, sauf que là, la personne ne répond pas et elle ne va plus jamais recevoir de texto de sa part. Mais ce n'est pas moins de 5 minutes plus tard que Emily reçoit 3 appels et 2 messages vocaux d'un autre numéro qu'elle ne connaît absolument pas. Et pour finir tout ça, la personne lui envoie un SMS en lui disant de décrocher et encore une fois en citant son nom complet. À ce moment-là, Margot commence à paniquer, elle prend des screenshots pour les envoyer à son petit ami pour que lui-même appelle le numéro, malheureusement la personne ne répond pas. Margot décide donc de bloquer le numéro en espérant que ce soit la fin de l'histoire. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir dans le chapitrage de la vidéo, le thread numéro 2 n'est pas terminé. Parce que c'est 30 minutes plus tard que Emily reçoit 5 nouveaux appels ainsi que plein d'SMS terrifiants d'un numéro encore différent. Je suis un homme de 40 ans et je suis amoureux de toi. Je continuerai à essayer de te joindre jusqu'à ce que tu répondes. Je ne m'arrêterai pas. Margot, après la lecture de ce SMS, bloque tout de suite son numéro et elle appelle ses parents pour leur raconter toute l'histoire, sauf que l'homme ne s'arrête pas, il continue à lui envoyer des SMS avec plein d'autres numéros de téléphone différents à chaque fois. Il lui dit qu'il veut juste lui parler 5 minutes, il va même lui dire qu'il est prêt à la payer pour ça. Margot va même prévenir son patron parce que son téléphone professionnel lui aussi était touché et qu'il recevait aussi des messages de cette personne. Dès le lendemain, après le travail, Margot va à la police, elle porte plainte, elle achète aussi une batte de baseball pour se défendre et elle installe des systèmes de sécurité partout chez elle. Son premier réflexe, c'est d'accuser un homme qui avait travaillé avec elle et qui avait été licencié pour harcèlement sexuel. Mais heureusement, Margot, elle a un pote qui est hyper calé dans tout ce qui est nouvelle technologie et il va élaborer une stratégie. Avec son propre téléphone, il va envoyer des messages au gars, mais avec toute une stratégie technologique, il va réussir à faire comme si c'était le numéro de Margot qui parlait. La conversation est assez longue, mais finalement tout ce qui en résulte, ce sont des conversations très bizarres et dégoûtantes. Et l'homme va en fait avouer que tout ce qu'il souhaitait, c'était que Margot l'appelle pour faire des trucs bizarres, bref, on vous fait pas de dessin. Après ça, l'homme va essayer d'appeler le numéro qu'il pensait être Margot mais qui en fait était le téléphone de son pote. Il va l'appeler exactement 26 fois mais il ne va bien sûr pas décrocher. Et c'est là qu'elle va enfin croire que l'histoire est terminée. Sauf que encore une fois, le lendemain et vous commencez à connaître le mécanisme, elle reçoit un message d'un numéro de téléphone qui était encore une fois différent. Cette fois dans le message, il prétend être le père de une de ses amies mais Margot n'est pas bête, elle sait très bien que c'est faux.
Margot est vraiment paniquée, elle a besoin d'aide, sauf qu'à ce moment-là, tous ses potes et ses parents n'étaient pas disponibles, ils étaient en train de travailler. Et c'est donc la mère de son petit ami qui vient avec elle dans son appartement pour la réconforter. L'homme continue à appeler le numéro de téléphone de Margot, sauf que cette fois, c'est sa belle-mère qui répond. Et là, elle va entendre la voix d'un homme rauque qui a l'air assez vieux et qui n'arrête pas de supplier qu'on lui donne Margot au téléphone. Cette dernière est en pleine crise de panique, elle sent qu'elle a affaire à un homme vraiment dangereux et donc la belle-mère va appeler la police et ils vont mettre à jour leur rapport. Lorsque la police arrive enfin à l'appartement de Margot, l'homme va rappeler et c'est là que le policier va écouter la conversation. Sauf que lorsque celui-ci va comprendre qu'un officier était là en train d'écouter, il change de discours total. Il commence à dire qu'il était seul, qu'il ne connaissait pas Margot, qu'il avait trouvé son numéro de téléphone sur Facebook. Ce qui d'ailleurs est complètement impossible car son numéro de téléphone était privé et qu'il y avait une vérification en deux étapes comme on l'a dit au début de l'histoire. Mais elle nous avoue quand même qu'il était possible qu'elle ait déjà fait fuiter son numéro de téléphone de façon publique. C'est donc pour ça qu'elle prend une décision drastique, elle décide de fermer ce compte Facebook en question et de changer de numéro de téléphone et heureusement ça va marcher. Bref, après toute cette histoire, Margot nous dit qu'elle s'en est quand même remise même si cette histoire l'a énormément marquée. Elle nous dit et elle nous rappelle qu'il faut toujours faire attention aux informations qu'on décide de publier ou non, aux paramètres qui sont des fois cachés sur les réseaux sociaux. Et elle termine son récit en nous avouant que comme vous et nous, elle pensait au début que ce genre d'histoire n'arrivait qu'aux autres. Accrochez-vous pour cette deuxième histoire parce qu'on est parti pour suivre l'aventure de Liz qui s'est passée en 2021. Cette année-là, et d'ailleurs il y a presque pile un an, en novembre 2021, il décide d'organiser les 20 ans de sa meilleure amie. Et étant donné que c'est un âge plutôt spécial, plutôt transitoire et assez symbolique, il décide de louer un espèce de Airbnb en pleine campagne, parce que sa meilleure amie habitait en appartement avec sa mère, c'était beaucoup trop petit, et d'ailleurs, en louant le Airbnb, ils vont bien se réserver de préciser que c'est pour un anniversaire, parce qu'ils avaient peur que ce soit refusé. Bref, sa meilleure pote va tout organiser, tout va très bien se passer, il y aura plein d'invitations, mais malheureusement beaucoup de personnes vont décliner cette proposition parce que c'était un petit peu trop loin ou pour d'autres raisons diverses. Bon, c'est quand même un gros coup dur, Liz et ses potes ont vraiment le seum parce qu'au final ils ne sont que 3 pour une maison qui contient 4 chambres, 2 salles de bain qui est vraiment gigantesque et dont les occupants comptaient initialement faire la fête toute la nuit. Mais bon, ce sont les 20 ans de la meilleure pote de Liz, il n'y a vraiment aucune raison de gâcher ça et du coup une fois que la mère de sa pote soit partie après les avoir déposés, ils vont commencer à faire la méga teuf du coup avec tout ce qu'on connaît, avec un peu d'alcool bien sûr si vous en buvez avec modération, en mangeant des trucs, des snacks par-ci par-là et Liz nous l'avoue même si c'est pas trop son truc, ses potes vont commencer à consommer des substances un petit peu illégales. Bon, clairement, de base, c'est vraiment pas le trip de Liz, et du coup, elle commence à se sentir un petit peu étouffée dans cette ambiance, si bien qu'elle va décider d'ouvrir la fenêtre en accrochant les volets pour que cette dernière soit ouverte environ de moitié. Bref, quelques heures vont passer, ils ne sont pas beaucoup, mais pourtant la fête bat son plein, vraiment, c'est super cool, et au bout de quelques heures, ils commencent quand même à avoir un peu la dalle. En étant sur le chemin, ils avaient repéré sur la route un fast-food qui leur donnait vraiment super envie, sauf qu'il était environ à 20 minutes de voiture et c'était tellement dans un bled paumé qu'ils auraient forcément refusé de venir livrer jusque-là. Et du coup, changement de stratégie, les deux potes de Liz vont sortir pour aller chercher à manger pendant que cette dernière va rester à la maison parce qu'elle était un petit peu crevée et elle voulait aussi mettre un petit peu d'ordre pour pouvoir manger tranquillement. Bref, Liz se trouve donc toute seule à la maison et la première chose qu'elle veut faire avant de se reposer un petit peu et de s'allonger parce qu'elle est vraiment crevée, c'est se démaquiller. Et pour ça, elle décide donc de monter dans la salle de bain du haut. Et si de nombreuses personnes qui nous écoutent ce soir le font très régulièrement et que ça se passe très bien, ça va malheureusement pas être le cas pour Liz. Et pendant qu'elle est en train de faire ses affaires devant le miroir, en train de se démaquiller, elle va commencer à entendre des petits bruits dans le salon. Et sans aucun doute, elle l'entend très bien, il s'agit des bruits de pas, et du coup naturellement, elle n'a pas peur, elle va simplement se dire qu'il s'agissait de ses potes qui avaient forcément oublié quelque chose, parce que ça faisait trop peu de temps qu'ils étaient partis. Et elle va donc simplement les interpeller du haut de l'étage pour leur demander ce qu'ils avaient oublié. Mais là, silence radio, absolument aucune réponse. À ce moment-là, même si elle est vraiment sûre d'avoir entendu des bruits de pas, elle va quand même essayer de se dire qu'il s'agissait d'une vieille maison qui craquait forcément et que du coup, comme elle n'avait entendu aucune réponse, c'est que c'était simplement son imagination. Bon, après avoir fini de se démaquiller, elle va quand même essayer d'être utile et du coup, elle va descendre dans le salon pour essayer de ranger un petit peu parce que forcément, c'était le gros bordel. Mais là, en le faisant, c'est un méga frisson qui va parcourir son corps lorsqu'elle va se rendre compte qu'elle a froid tout simplement. Liz va donc tourner la tête dans tous les sens pour essayer de voir d'où ça vient, pourquoi elle avait froid, et là elle va se rappeler, plus tôt elle avait ouvert la fenêtre pour essayer de faire désembuer la maison. Tout naturellement, elle se dirige vers cette dernière pour la fermer, et c'est là qu'elle va se rendre compte d'une deuxième chose bizarre.
Liz tilte directement lorsqu'elle avait ouverte et avait pris garde à ne pas le faire en entier, à bien mettre le crochet à moitié, sauf que là devant elle, elle le voit, ça avait complètement changé, la fenêtre et les volets notamment étaient complètement ouverts. Clairement, à ce moment-là, elle est pas bien du tout, elle va commencer à devenir un peu parano, elle commence à regarder partout autour d'elle pour voir s'il y a quelqu'un, parce que le sang, il y a une ambiance pesante. Sauf que ne voyant rien du regard et essayant de se rassurer, Liz se dit que forcément elle est en train d'halluciner, que ça devait être toute la fatigue de la soirée qui était en train de lui remonter, et du coup simplement elle va mettre ça sur ce compte. Liz ferme donc la fenêtre, elle revient s'asseoir à la table pour essayer de repenser à tout ça, pour essayer de se rassurer, sauf que là elle constate que le feeling ne part pas. Bref, à ce moment-là, perdue dans cette grande baraque au milieu de nulle part, Liz se sent vraiment pas à l'aise et du coup, pour essayer de se rassurer, elle prend son téléphone et elle commence à composer le numéro de sa copine pour pouvoir lui envoyer un message, lui dire de rentrer assez vite, mais malheureusement, elle n'a aucun réseau. En se baladant un petit peu dans le salon à la recherche de réseau, parce que vraiment, ça l'a rassurée que sa pote reçoive le message, elle va réussir à l'envoyer in extremis. Mais on sait jamais, et histoire de pouvoir se détendre enfin tranquillement, en tout cas chacun ses méthodes, elle va dans la cuisine et essaye de prendre un petit couteau sur elle parce qu'elle a vraiment consommé beaucoup de séries policières et du coup elle commence à être un peu parano. Mais malgré tous ces éléments, elle ne sait pas pourquoi, il y a une espèce de tension dans l'air, quelque chose qui l'empêche de se rassurer complètement et donc elle va avoir l'idée du siècle, elle va commencer à sortir son téléphone. Et là, si vous vous demandez ce qu'elle compte en faire parce qu'elle n'a pas énormément de réseau, c'est très simple, elle décide de faire le tour des pièces en les prenant en vidéo, en faisant genre qu'elle est en train de les snapper pour en fait au passage vérifier qu'il y a bel et bien personne dans chacune d'entre elles. Bon, spoiler, ça ne va rien donner et après tout ça, Liz est vraiment crevée, elle voit que ses potes tardent un petit peu et du coup elle va prendre une décision, c'est d'aller s'allonger dans la chambre pour pouvoir se reposer un peu. Et même avant ça, elle va repenser à sa crise de paranoïa, elle se dit qu'elle l'a faite vraiment pour rien et donc au préalable, elle repose le couteau dans la cuisine. Bref, en arrivant en face de son lit, elle a clairement trop la flemme de ranger toutes les affaires qui se trouvent dessus et du coup elle les met tous par terre sur le côté, notamment des vêtements, son déo, bref, ce genre d'éléments. Bref, elle s'allonge enfin, lumière éteinte, et elle va commencer à prendre de grandes inspirations pour essayer de s'endormir parce que vraiment, elle est crevée. Mais là, elle fait face à la pire des situations. Alors que vraiment, jusque-là, elle était en train de se concentrer pour essayer de s'endormir, elle va commencer à entendre à nouveau des bruits, sauf que là, ce n'est pas du tout dans le salon, c'est directement sous son lit. Et c'est même plus précis que ça, elle le sent directement, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un en dessous du lit qui est en train d'appuyer sur le sommier pour voir si elle réagissait et donc de voir si elle était bel et bien réveillée ou endormie. Sauf que là, dans l'esprit de Liz, tout est flou, son corps et son esprit sont complètement dissociés, elle n'arrive pas du tout à bouger, en bref, elle est complètement tétanisée. Là, il n'y a plus aucun doute possible, il y a bel et bien quelqu'un sous son lit, les secondes sont complètement insoutenables, elle a l'impression que ça dure depuis une éternité, et là, elle l'entend, la personne sort d'en dessous du lit. Toujours en faisant semblant de dormir et ne sachant pas comment réagir, elle le sent, son matelas est en train de s'affaisser car l'inconnu a posé un genou sur le lit et là elle sait vraiment pas quoi faire. Et alors qu'au fond d'elle, elle était vraiment morte de peur et presque résignée, elle va avoir un coup de lucidité. Liz commence à tâter sur le bas-côté du lit et là elle trouve son déo et elle commence à directement asperger dans les yeux de l'individu. À ce moment-là, le cri terrible de cet homme vient rompre le silence et là, Liz se réveille enfin, elle bondit sur son lit et commence à courir jusqu'à la salle de bain de l'étage et elle s'enferme avec le loquet qui est pourtant très peu solide. Et seulement 2 secondes après, c'est vraiment digne d'un film d'horreur, l'homme est à la porte et en train de tambouriner pour essayer de l'ouvrir et même de casser le loquet. À ce moment-là, étant complètement acculée, Liz se rend quand même compte de quelque chose, c'est que son corps bouge tout seul, elle ne réfléchit même pas, elle ne sait même pas comment ça se fait, c'est du pur instinct de survie, elle se dirige vers le fond de la salle de bain, ouvre la fenêtre et commence à escalader pour s'enfuir. Elle arrive à descendre de l'étage sans se faire trop mal, et là, ni une ni deux, elle commence à courir dans les champs, c'est vraiment encore une fois comme dans un film d'horreur, elle dit que c'est cliché, elle est en train de courir dans des espèces de vignes sans trop savoir où elle va. Elle ne prend même pas le temps de se retourner, elle ne sait même pas exactement où elle va, mais une seule chose est sûre, c'est que l'inconnu est pas loin derrière, et du coup elle continue à courir jusqu'à ce qu'elle voit la silhouette d'une maison vers laquelle elle commence à se diriger. Malheureusement, en arrivant enfin à la hauteur de la dite maison, elle se rend compte que toutes les lumières sont fermées et que très probablement les propriétaires étaient absents, et du coup là, elle commence à zioter du regard où est-ce qu'elle pouvait trouver une cachette, et là elle va avoir l'idée du siècle en voyant le bac à compost. Encore une fois, sans réfléchir, elle se faufile dedans, elle ferme le couvercle, et juste après avoir fini de se cacher, elle entend l'homme débouler dans la rue. Liz sort son portable et elle le sait très bien et elle est catégorique, elle ne peut appeler personne car sinon il allait l'entendre. Et c'est à ce moment-là que va ressurgir dans son esprit la connaissance la plus importante dans cette situation, elle va repenser au numéro pour malentendant d'urgence, le 114. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mémoriser ce numéro, il peut être super important même si on espère que vous n'en aurez jamais besoin.
Liz commence à taper frénétiquement sur le clavier de son téléphone, elle commence à marquer toutes les informations, à dire précisément où elle est, l'adresse de la maison, le bac à compost qui se trouvait pas très loin, elle va même commencer à décrire l'homme et le peu qu'elle avait vu de lui. Heureusement, l'opérateur va répondre directement, va lui dire de ne pas paniquer, de rester caché et que la police arrivait sur le champ. Et pendant ces quelques minutes qui semblent être les plus longues de sa vie, et on la comprend, elle va commencer à entendre le type crier de frustration, à commencer à la chercher frénétiquement partout. Et enfin, à l'issue de ce temps qui avait semblé avoir duré une éternité, elle commence à entendre les sirènes de la police qui se dirigent vers elle, et elle va commencer à entendre également les policiers sortir de leur voiture et se diriger vers le bac à compost. À ce moment-là, tout devient extrêmement flou et tout se passe extrêmement rapidement. Elle entend les policiers crier et discuter avec quelqu'un, avec ordre. Et finalement, alors que même les policiers l'interpellaient, elle reste cachée car son corps ne veut pas bouger et c'est un gendarme lui-même qui va venir ouvrir la trappe et lui dire que tout allait bien. Sur le coup, Liz est tellement sous le choc qu'elle ne pleure même pas et c'est seulement après l'arrivée de sa meilleure amie qu'elle va la prendre dans ses bras et fondre en larmes sur le sol. Et c'est seulement le lendemain, alors qu'elle se trouvait à l'hôpital en état de choc, que les policiers vont venir la voir pour lui avouer des détails vraiment horribles et dire ce qu'ils savaient sur l'homme. Comme elle s'y attendait, l'homme était en train de surveiller la maison depuis quelques temps déjà, et après avoir vu des jeunes, il a décidé de s'introduire effectivement par la fenêtre. Et ce qui fait vraiment froid dans le dos, c'est qu'il avait vraiment attendu que les deux autres partent pour pouvoir s'engouffrer dans la maison et finalement aller à l'étage et se mettre sous le lit. Et là, si vous vous demandez comment ça se fait que le gars connaissait aussi bien la maison, en sachant où se trouvaient les chambres, en sachant où se trouvait la salle de bain et le salon et également la fenêtre, c'est très simple, il s'agissait en fait du fils de la propriétaire. Et les vices de cet individu complètement macabre ne vont pas s'arrêter là, parce que Liz va apprendre beaucoup de détails, on va pas tous vous les citer, mais dites-vous qu'il a fait des choses vraiment répugnantes avec les affaires de Liz et notamment ses sous-vêtements. Et si tout ça est déjà complètement dégueulasse, Liz n'est pas au bout de ses peines, parce qu'elle va apprendre que cet homme était en fait là pour abuser sexuellement d'elle. Et que lorsqu'elle s'est enfuie et lui a mis du déodorant dans les yeux, il a avoué en vouloir finir avec elle. Bref, c'est une histoire complètement terrible qui a complètement choqué Liz, même si aujourd'hui ça va un peu mieux. Et elle ne remerciera jamais assez son instinct qui, ce soir-là, lui a complètement sauvé la vie.